Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un début de vlog comme ça. Nous sommes... On est le combien? Le 14. Nous sommes le 14. C'est trop tôt. Nous sommes le 14 avril et il est 7h43. C'est pour ça que je vous dis que ça fait très longtemps que j'avais pas fait un début de vlog comme ça. On va au Plaza ce matin. On va au Plaza Garden faire le petit déjeuner avec les personnages parce que c'est une expérience que j'avais déjà filmée en vlog il y a quelques années parce que c'était le 25e anniversaire encore je crois à ce moment là et c'est vrai que j'y suis jamais retournée depuis donc comme je vous ai dit ou je vais vous dire je sais plus, hein, je sais pas à quel moment va sortir cette vidéo que j'avais envie de refaire les expériences culinaires, restaurants et voilà dîner avec les personnages ou en l'occurrence la petit déjeuner avec les personnages ici à Disneyland Paris, je retourne faire le petit déj des personnages pour voir ce qu'il en est, comment ça a évolué, je crois que ça a augmenté. C'est même sûr. Donc là il est 7h, bah 8h moins quart en vrai. Et en fait on pensait que le parking serait ouvert parce que le Plaza c'est à 8h15, mais le parking n'est pas ouvert. On est ravis de s'être levé super tôt pour aller attendre ici. Bon, en tout cas, voilà, vlog petit déjeuner avec les personnages ici à Disneyland Paris au Plaza Garden. On y va tout de suite, c'est parti. Du coup il est 8h40 déjà, en gros on a pu rentrer sur le parc, enfin on est rentré sur le parc c'était déjà 8h20 quasiment parce que le temps qu'on arrive du parking qui a ouvert qu'à 8h et qu'on traverse bah, du coup la zone là où il y a les tapis roulants qui actuellement ne roulent pas et qu'on traverse tous les Fantasia Garden etc. Du coup je suis en train de me troller. Il est là en train de faire tu fais jeu, t'es en train de parler et tout. Et le temps qu'on fasse tout ça, du coup alors que le petit déj démarrait à 8h15, on est rentré en vrai ici quasiment qu'à 8h30. Et en arrivant, ils nous disent direct que le buffet ferme à 9h20. Donc on a moins d'une heure, c'est ultra chaud. Et en plus ça a carrément augmenté depuis la dernière fois où je suis venue. Puisque ça s'est passé à 50 euros, voilà. Donc c'est ultra cher par rapport au... En plus on a très peu de temps. Donc c'est pour ça que d'habitude j'aime pas forcément faire la première séance à 8h15 parce que du coup c'est ultra chronométré alors que celle d'après, je crois qu'elle est à 9h45, elle est beaucoup plus détente puisqu'au final tu peux traîner un peu et tout, il n'y a pas un autre service derrière. Celui de 8h c'est ultra speed je trouve. Et bon, donc là il est 8h42, on a déjà vu du coup 3 personnages, il y a 6 personnages aujourd'hui. Là on a vu Tigrou, Geppetto et Bourriquet. Tigrou il était super cool, c'était vraiment trop bien comme interaction. Et je vous ai filmé le buffet, je vous en parle à la fin de la vidéo pour le coup parce que là je vais essayer déjà de manger, etc. Parce qu'on est quand même un peu chronométré du coup. Donc bref, en tout cas voilà. C'est pas le meilleur début de vidéo que j'ai fait je pense. Mais c'est très speed, c'est ultra speed. Enfin, nous on n'est pas trop du matin. Et là c'est un gros coup d'adrénaline direct quoi.
Hey Tiger! Oh! Bah Jess, elle va pas être contente. Hein. Si tu lui prends son assiette, elle est partie chercher un coup. Oh, j'aime trop. Là-bas. Ah bah Tigon t'attendait. Il s'est assis. Il est réveillé Tigon ce matin. On s'est blindé. Comme ça on fait un passage. On a tout pris. Ouais. Ça se voit que ça va pas être ouf. En vrai, c'est bon. Mais je trouve ça vachement plus léger qu'avant. Genre, tu sais, il y a moins de matière de base. Tu sais, comme si le croissant il était moins. Tu sais, il y a moins de pâtes. Il fait la même taille, mais il y a moins de pâtes. Il y a plus d'air. Oh, mais regarde, quand tu l'aplatis là, regarde la taille qu'il fait. Ça. Ben moi, pour crash test, tu vois, la qualité du croissant. C'est pas bien. Regarde, ah, il fait le croco. Il est grand, il est super. C'est totalement vidé. Et je crois que c'est le prochain service en fait qui va pas tarder à démarrer du coup. Oui. Ouais. Ils nous mettent dehors. Allez, il me reste un pain au choc, une brioche. On y croit. T'as à boire encore? Oui, j'ai encore à boire. Non, mais franchement, je vais vous en parler en fin de vidéo, mais c'est un peu un scandale. Les viennoiseries, c'est un peu un scandale. Ça sent la brioche sèche à plein nez. Ah, oh, je m'attendais à pire. C'est pas ouf ouf hein. Le pire c'est l'ego. Ouais. Mais attends, on s'attaque au pain au chocolat. Alors ça c'est le crash test ultime parce que j'en bouffe tout le temps. Non mais sérieux, regarde le trou. Il en manque les trois quarts. Bon, faut pas venir ici pour les viennoiseries. Hein. Je vous le dis. Hein. Faut vraiment venir ici pour l'expérience. Je suis un peu saoulée. Je crois que j'ai le temps de manger mon yaourt. Bah tu vas prendre le temps de manger ton yaourt.
Non mais attends, faut que je vous montre parce que là ça on est... Mais franchement il reste que nous limite. Bon, c'est le moment pas cool de la vidéo. Je vous annonce. Bon, on va commencer par ce qui était positif. L'expérience est super sympa parce que du coup, c'est le petit déj avec les personnages Disney. Il y a 6 personnages. En plus, clairement, c'est pas toujours les mêmes parce que là, c'est des personnages qu'on n'avait pas eu sur les fois où on est venu avant. Ah, c'est l'ouverture officielle. C'est l'heure. Quelle heure il est ? 9h30. Et donc il y a eu des personnages qu'on n'avait pas sur les fois d'avant. Là on a eu Crochet, on a eu Geppetto, on a eu Pinocchio. Tigrou et Bourriquet sont quasiment là à chaque fois, j'ai l'impression. Les fois d'avant on avait peut-être eu Winnie aussi, peut-être Donald. Je me souviens, Picsou aussi on avait eu. Enfin voilà, donc il y a quand même du turnover au niveau des persos. Donc ça c'est plutôt... plutôt cool parce que si on fait l'expérience plusieurs fois, potentiellement on peut tomber sur des personnages différents. Alors faut peut-être pas la faire trop proche, mais du coup on peut tomber sur des personnages différents. Ça c'est plutôt cool. Après le buffet, il y a du bien et du moins bien. Tout ce qui est frais, donc charcuterie, il y avait du saumon aussi, les légumes, les fruits, la partie œufs brouillés, bacon, champignons, etc. C'était plutôt bon, c'est pas trop assaisonné. J'espère que vous allez m'entendre avec l'annonce derrière là. Normalement je me suis mis dans l'autre sens par rapport au micro. Je préfère attendre que ça se termine. Donc je disais au niveau du frais et des plats chauds, parce qu'en réalité soit ça, je sais pas, vu qu'on a attendu parce qu'il y avait les personnages etc, soit ça refroidit très vite, soit de base c'est déjà pas très chaud, genre les œufs brouillés, le bacon, les champignons c'était décevant parce que ça aurait été vraiment bien que ce soit très chaud et là c'est pas le cas. Et en plus là il fait super froid ce matin. Donc vraiment d'arriver dans un petit déj comme ça avec des plats chauds, que les trucs soient vraiment chauds, ça aurait été mieux. Donc ça c'est un peu décevant. Parce que pour le coup je pense que si c'était déjà aussi froid dans notre assiette, c'est que de base, ça devait déjà être tiédasse. Par contre là où c'est un scandale, c'est la qualité du pain et des viennoiseries quoi. C'est abusé. Enfin nous on a vraiment eu l'impression qu'ils nous avaient servi des trucs d'hier. Donc parce que les gaufres étaient secos. Le pain, t'as galéré toi le pain ? Ouais. Le pain, elle a galéré avec la... T'arrivais pas à l'ouvrir ? Donc l'intérieur ça allait, tu disais la mie ça allait, mais la croûte était hyper dure. La brioche moi c'était pareil, l'intérieur ça allait, mais la croûte était un peu sèche. Alors qu'une brioche c'est une brioche au beurre, donc t'as l'attente qu'elle soit de bonne qualité. Et honnêtement, on l'a déjà fait 2-3 fois, sans que je fasse de vlog hein. On l'a refait 2-3 fois du coup le petit déj avec les persos. Et avant la qualité était bien meilleure au niveau des viennoiseries. Je suis désolée, à un moment donné Disney ça va pas là tu vois. Donc ben oui. C'est précieux, c'est le patrimoine. Gluten is life, gluten is love. Non, franchement, les viennoiseries, c'était ultra décevant. Parce que même le pain au chocolat, du coup, je voulais montrer, le truc, il est à 3/4 vide. Donc, t'as l'impression qu'il y a genre moitié moins de matière, mais qui fait la même taille. Et pareil pour le croissant, il est plein d'air. Et puis, il était un peu sec aussi. Fin. Donc, non, je suis désolée, c'est vrai, t'as raison. C'est le pays de la viennoiserie. Donc, si à un moment donné, tu manges même pas, ça vient ici. Ça va pas du tout. Ça, c'était vraiment décevant. Et puis, alors, il y a un truc qu'on n'a absolument pas ressenti sur les fois d'avant, c'est le speed. On était ultra speed. Moi qui suis super lente pour manger, genre je suis la personne la plus lente du monde pour manger, les food tours chez moi ça dure toujours 1h30, c'est une catastrophe. Et là en fait on avait moins d'une heure pour profiter du buffet, le manger, faire les photos avec les personnages, avoir cette petite interaction très cool qu'on avait etc, et partir. Et c'est pas genre tu peux gratter, tu peux rester même après l'horaire etc. Ils te disent 9h20 le buffet il ferme, 9h30 vous êtes dehors, 9h25 ils sont venus nous voir en mode dans 5 minutes on ferme, il faut partir. Parce qu'ils préparent du coup, ils vident entièrement le restaurant, donc je l'entends attention, ils vident entièrement le restaurant pour préparer pour le service suivant qui du coup là il y a déjà les gens qui attendent ici, qui est à 9h45. Mais ce qui fait qu'au final c'est ultra speed, on a eu moins d'une heure pour manger, pour faire tout ça. Ouais, c'est pas détente quoi comme exercice la dernière fois, enfin nous on l'a jamais ressenti comme ça. Alors les fois d'avant on l'avait fait à 9h45 justement. Mais là je pense que j'ai jamais vu le 9h45 s'afficher sur l'appli. Parce que nous on n'est pas en séjour Disney, là, on est venu parce qu'on a les EMT dans le pass annuel etc. On a réservé il y a 3 jours.
parce que du coup on peut réserver sans être en séjour au petit-déj des personnages à partir de 3 jours avant sur l'application. Donc c'est ce qu'on a fait. Du coup voilà, enfin j'ai toujours vu que 8h15, mais donc je pense que la séance de 9h45 elle est exclusivement réservée aux hôtels, je pense, c'est une supposition, hein. Je suis pas en train de dire que c'est vraiment ça, mais c'est ce qu'on pense. Il est génial son bonnet, regarde, elle a un bonnet renard. Je sais pas si on va voir sur la vidéo. Si, regarde, elle passe là en tout petit. C'est génial. Non mais c'est une, ça doit venir de Tokyo ou un truc comme ça. C'est du merch de ça, c'est bien le genre de merch qu'ils font à Tokyo Disneyland. Bref, ouais, donc c'était ultra speed. Et puis t'as vraiment le chrono, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment là à te pousser vers la sortie quand c'est l'heure quoi. Et alors que je pense que voilà, à 9h45 c'est peut-être un peu moins speed. Qu'est-ce qu'elle nous a dit la dame, t'as une heure et quart. Alors que là on avait littéralement moins d'une heure, hein, pour manger. Donc bon, tu gagnes un petit quart d'heure peut-être sur la séance d'après. Mais ouais, c'était, c'est ce que je vous disais, un petit... Ouais, c'est clair. Mais c'était là, c'était le petit pic d'adrénaline de bon matin, tu vois. J'ai même pas eu le temps de me refaire un café avant de partir parce qu'il fallait y aller, hein. Et tu sais, ils te surveillent en mode, non, non, tu reprends pas de café. Bon. Le côté positif, c'est que l'expérience avec les persos, l'interaction était géniale. Franchement, ils étaient super cool. Là, vous avez vu, je vous ai mis les morceaux en vidéo. Ça, c'était vraiment chouette. Tigrou, il était en feu. Crochet était super cool. Ils sont venus s'asseoir à table avec moi et tout, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. C'était vraiment sympa. C'était vraiment de bons moments avec les persos. Je pense qu'à faire en famille avec des enfants, c'est juste génial. Maintenant, c'est quand même 50 euros. 85 à 2 parce qu'on a la réduction. J'ai fait passer la réduction Infinity. Donc 85 à 2, ça fait quoi, 42,50. Mais sinon, c'est quand même 50 balles. Je pense, je sais pas si c'est un tarif unique. Je sais plus s'il y a un tarif enfant. Il doit y avoir un tarif enfant, il doit y avoir un tarif enfant. Mais bon, du coup, par adulte, c'est quand même 50 euros et t'as moins d'une heure pour manger. Et pour une qualité de nourriture qui est pas non plus parfaite. C'est-à-dire que je suis désolée, mais c'était mieux avant, quoi. Donc là, tu payes plus cher, ça a augmenté. La première fois que je l'ai fait, donc en 2017, peut-être 8, mais plutôt 2017, je pense, c'était 37 euros. Après, ça a augmenté, c'est passé peut-être à 39, 42. Là, maintenant, c'est à 50 balles. Et la qualité de du buffet a baissé. Non! Je suis pas contente, je veux... Non, pas cette fois. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de cette expérience, si vous en avez déjà profité, si vous l'avez déjà fait, ce que vous en avez pensé à ce moment-là. Ou si, voilà, la vidéo, le moment-là que vous avez vu, qu'on a partagé avec les persos, ça vous a donné envie. Honnêtement, en famille, c'est quand même vraiment cool, et je pense que dans le cadre d'un séjour Disney, c'est un vrai bonus. Voilà, même si faut clairement pas venir, plus venir en tout cas pour la qualité du buffet, pour l'expérience, c'est top. Je pense que je le referai quand même, tu vois, en famille, avec ma fille, etc. Ça peut être chouette. Plutôt en été, je pense. Plutôt en été. J'attends vos retours en commentaire, je suis curieuse de voir ce que vous en pensez, vous, et si vous avez vécu l'expérience, comment ça s'est passé pour vous. En attendant, nous, bah, je vais aller prendre un café, que je vais aller payer ailleurs, pour me remettre de ce speed-là. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles autres expériences, resto, peut-être repas avec les personnages, vous avez envie que j'aille refaire ou faire ici à Disneyland Paris, parce que je vais refaire des vidéos comme ça, resto ici. Et voilà. Et voilà. Putain, 9h37, on est déjà sur le parc. On a mal au ventre. Elle va pas s'en remettre, elle est au bout de sa life. Bah non, mais faut le dire. Hein. Bah oui, non, mais oui, non, mais on a mangé beaucoup trop vite, franchement, on a mangé beaucoup trop vite. Donc c'était ultra speed. On va aller se prendre un petit quart d'heure pour se poser là. Pour s'en remettre. On va aller se poser dans un resto pour se remettre dans un resto. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Même consommer. Y'a rien qui va. Où est-ce qu'il passe votre argent à Disney? Dans la bouffe. Tout notre fric passe dans les restos de Disney. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'oubliez pas pour ce petit pouce en l'air, même si vous n'avez pas aimé le buffet. Si la vidéo vous a servi, voilà, si ça a été utile pour vous, si ça a été intéressant, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air, c'est vraiment important et moi ça me fait plaisir en plus d'avoir ce genre de retour et d'avoir vos commentaires. En attendant, je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.